Nous, c'est un domaine familial d'une quinzaine d'hectares maintenant, qui date de 1828, la première fois que les Verziers ont acheté la ferme, et qui a été transformé en domaine viticole par mon père en 1988. En 2010, quand tu partis sur la bio, les trois quarts de mes vignes étaient suivies comme en bio. Donc quand je me suis certifié, je dis je fais comme d'habitude. Donc j'ai essayé d'aller voir un peu plus loin. Donc je me suis intéressé à la biodynamie. C'est une belle appellation avec des jolis terroirs, avec encore une cohérence au niveau du foncier, parce que c'est vrai qu'ici on a une région où on a quelques problèmes de valeur foncière. Que ça soit sur des appellations comme Côte-Rôtie, comme Condrieu ou comme un peu plus dans le sud de la vallée du Rhône où il y a des problématiques où quand t'es jeune, si t'as pas un héritage, c'est compliqué parce qu'il y a plus d'un million d'euros l'hectare, c'est insensé. 2022, très joli millésime qu'on a eu peur jusqu'à la fin parce qu'il y a eu très très peu d'eau sur tout l'été, très grosse sécheresse. Et avec 60 mm d'eau au 15 août qui nous ont un peu sauvé la mise. Carrément, un peu qui ont sauvé le millésime. Ouais. On a eu beaucoup de chance. Ouais. On a eu beaucoup de chance d'avoir cette pluviométrie là, alors que c'était une sécheresse aussi forte que 2003.